السلام عليكم. Dans cette leçon, on va voir comment dessiner une vue déplacée par translation d'une pièce. Vous avez ici une pièce, c'est un corps. On va essayer de vous expliquer comment on translate une vue. Voilà ce que vous avez ici. J'ai préparé la pièce sur le format A4, paysage. Une petite nomenclature comme ça. Voilà. Pour des raisons d'encombrement ou de simplification, on peut exceptionnellement ne pas donner à une vue sa forme normale, sa place normale, c'est-à-dire vue de gauche, vue de droite, pour des raisons d'encombrement. On peut indiquer la direction. On peut indiquer la direction d'observation par une flèche repérée, c'est-à-dire suivant flèche, comme ça. On va voir. On va essayer de dessiner la pièce. On commence. Très bien. On commence à dessiner la pièce. Ce que vous voyez, c'est une pièce. C'est un corps. Ici, c'est un corps. Bon, nous avons ici le tube. Vous voyez le tube. C'est un tube diamètre 30. Comme ça, ça continue. Ici, dans le tube, vous avez le trait très fort, toujours très, le trait visuel fort, visible, le trait caché en pointillé. Pointillé. Voilà. Il est caché. Ensuite, nous avons la bride, ici une bride, la bride comme ça. Voilà, la bride, l'axe des trous. Mettre des axes ici. Il faut que ça soit bien dessiné et lisible. Pour faciliter le travail dans les ateliers, il faut que ça soit clair et net, bien coté, tout ça. Bon, la deuxième bride, c'est une bride. C'est une bride qui va prendre cette forme-là. Avec les axes, les trous ici, des trous. On va la faire couper là, ou bien interrompre des trous. Ensuite, la deuxième bride ici, trace. Vous avez le rayon ici, les trous. Nous avons quatre trous. 1, 2, 3, 4. Quatre trous. Trous de fixation. Comme ça. On continue. Le rayon. Voilà. Une bride, un rayon, le congé ou un congé.
Le tube. C'est une vue. Ça, c'est une vue. On perd, c'est une vue suivant S. Voilà. Vue suivant C. On va faire vue suivant C. C suivant C. Voilà. Comme ça. Une flèche comme ça. La lettre C. C'est comme ça qu'on s'appelle une vue translatée. Une vue, c'est la translation. On prend suivant C. Comme ça, comme ça. Voilà. Suivant C, et on continue à faire C. Le diamètre. Le diamètre. Le diamètre du tube. Voilà. C. Vue suivant C. Pour l'ensemble, vue déplacée par translation. Vue. Vue déplacée par translation. Déplacée, voilà. C'est une vue, hein, déplacée par translation. On voit comme ça, on translate. C'est la même chose de l'autre côté. On va finir d'abord les traits, la pièce. Ce sera une vue suivante. Ça, c'est une vue ici. Vue suivante. B. Comme ça. Et suit la flèche. Hop, on la translate ici. C'est comme ça. On l'appelle une vue déplacée par translation. C'est compris? On va tout d'abord essayer la pièce, comme ça, si ça nous intéresse. C'est la bride. On va essayer de la mettre. D'éclaircir. Voilà, vous avez le congé, la pièce, c'est notre pièce, comme ça, elle est comme ça. Voilà. Et vous avez les trous, deux trous, il y a deux trous. Toujours. Toujours tracer les axes très importants, les axes. Ensuite, le tube. Voilà, les axes. C'est une vue. Suivant B. Vue suivant B. C'est une vue translatée. Vue suivant B. Ça, c'est en pointillé. Ça, c'est. Ou bien, on fait comme ça, comme ça. Un petit assure ici. Pour montrer. Voilà. Un angle de 35 degrés avec un angle. Bon, 35, c'est presque un angle.
C'est un angle de 35 degrés. Orienté par 35 degrés. Hop, ça translate comme ça. Voilà. Vous avez le tube, les deux brides. Ça, c'est le bride, la première bride, c'est repère. On va essayer de donner un repère. Hein? Voilà. On va essayer de donner ça. Hein? Repère 1. Repère 2. Repère 2. Toujours la ligne, avec un point comme ça, le repère 1, 2, 3. Repère 3. Voilà, c'est un corps, et c'est un corps, c'est vue suivant en récap, vue suivant C, vue suivant B. Ce sont des vues qui sont des vues déplacées par translation. C'est pas comme le dessin normal, vue de gauche, vue de droite. C'est une vue déplacée. Nous avons ici une petite nomenclature, là, c'est le corps. Vous avez tracé votre cartouche, comme d'habitude. Voilà. Je l'ai tracé sur format A4, paysage. Format A4, paysage. Vous tracez toujours un petit une nomenclature envers, c'est le repère 1. Vous avez ici la date, numéro de plan, dessiné par. Voilà, une colonne, première colonne, deuxième, troisième colonne. La troisième colonne, ici, vous avez la date, le plan, numéro, dessiné par. Ensuite, là, c'est. La méthode européenne, l'échelle, hein, le repère 1, repère 1, c'est une seule pièce, tube 3 quarts, repère 2, bride, c'est la bride, épaisseur 8, 3, une seule pièce, bride aussi, c'est une bride. Épaisseur 8. La matière. C'est la matière en E24. 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 La matière. E24. Voilà, c'est un récap. Voilà, c'est une pièce. Une vue de la pièce. Vue déplacée par translation, vue suivant B, vue suivant C. D'accord. Bon. Merci de nous avoir prêté votre attention. À la prochaine, Inch'Allah.